Saint-Louis a perdu un grand homme, un Saint-Louisien tout court. Mbaye Boye est certes un Saint-Louisien, comme tous les Saint-Louisiens, mais il a quelque chose de particulier. Mbaye Boye était un fédérateur. Vous-même, vous pouvez le constater sur le plan politique, personne ne pouvait. Certes, on savait que Mbaye Boye est du Parti Socialiste, mais pratiquement toutes ses relations étaient pratiquement des relations avec d'autres éléments, d'autres partis, d'autres responsables de partis. Donc c'est vraiment une perte cruelle, surtout sur le plan sportif. Parce que ce que Mbaye Boye nous a légué sur le plan international, parce que nous tous nous sommes des sportifs, nous sommes des responsables. Mais ce que Mbaye Boye a réussi dans le sport, vraiment nous n'avons pas encore eu la chance de le faire, parce qu'au moins lui, il a instauré à Saint-Louis un tournoi international qui regroupe pratiquement des champions de ce monde. Donc je pense que c'est vrai, sur le plan sportif également, c'est véritablement une grande perte. Il n'a pas perdu un militant, mais il a perdu un stabilisateur. Parce que Mbaye Boye n'avait pas de fonction formelle au niveau de responsabilité formelle au niveau des instances du Parti Socialiste. Mais c'était quelqu'un qui pouvait discuter avec tout le monde, du camp A au camp B, de par également l'expérience qu'il a de ce parti. Vraiment, moi je le considère comme un stabilisateur du parti, du mouvement politique en général.